Kate Middleton et le prince William se sont fait une promesse. Lorsque leur relation est devenue sérieuse, les futurs ducs et duchesses de Cambridge sont partis en vacances sur une île paradisiaque. L'occasion pour eux de sceller une première fois leur amour, comme le rapporte Cathy Nicole, auteure du livre Kate, The Future Queen. Sur cette île paradisiaque, William a promis à Kate que leur relation durerait longtemps. Pour la toute première fois, ils ont parlé sérieusement mariage, et face à l'océan et à la nuit tombée, ils se sont fait la promesse de se marier, peut-on lire, comme le rapporte Cosmopolitan qui partage cet extrait. Pourtant, Kate et William se sépareront peu après avoir fait cette promesse lourde de sens. Le prince William expliquera qu'il s'agissait d'une question de timing. Nous étions très jeunes, avait-il plaidé. Ça cesse de passer à l'université, nous étions en quête de nous-mêmes, être des personnes différentes, et tout cela en grandissant. En 2007, Kate et William finiront toutefois par se marier le 29 avril 2011, dans une superbe robe signée Alexander McQueen. Après l'officialisation de leur amour, Kate Middleton et le prince William ont donné naissance à trois petits bouts de chou, le prince George, la princesse Charlotte et le petit dernier, le prince Louis. Thank you.